Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo exceptionnelle puisque je vais vous faire non pas une, non pas deux, mais trois reviews. Oui, vous avez bien entendu, on va faire trois reviews dans cette vidéo. C'est Noël avant l'heure. Et cette vidéo est possible grâce à Arcana Sacra qui m'a fait un très joli cadeau ce matin. Alors cadeau dont j'étais à moitié au courant puisqu'il y avait une chose que je savais qui devait arriver. Par contre, il y en avait d'autres qui n'étaient pas prévues et dont je n'étais pas au courant. Par conséquent, ça a été la surprise lorsque j'ai ouvert le carton et vraiment merci du fond du cœur à toute l'équipe d'Arcana Sacra pour tout ce que vous faites, pour vos gestes d'attention, pour vos surprises, pour la qualité aussi de vos produits bien naturellement. Mais voilà, pour tous ces petits gestes d'attention qui à chaque fois m'émeuvent, à chaque fois me surprennent et voilà. Donc merci, merci vraiment, merci du fond du cœur et je vous envoie plein de bisous magiques à vous tous parce que vous les méritez plus que largement. Alors les amis, je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, nous allons parler du petit Lenormand. Ah, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. C'est vrai que d'ailleurs, cette vidéo me donne à cœur de vous faire une autre vidéo pour vous expliquer peut-être ce qu'est le Lenormand. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le Lenormand. Si, peut-être. Ou certains qui se lanceraient dans la cartomancie, qui auraient entendu parler de ce fameux Lenormand, mais qui ne sauraient pas vraiment ce que c'est. Alors, avant de vous montrer un petit peu les produits, je vais rapidement vous expliquer. Dans la cartomancie, on va retrouver trois groupes, trois familles de cartes. La première, bien entendu, vous la connaissez tous et toutes, il s'agit du tarot. Vous en avez deux, vous avez le tarot de Marseille et le tarot type Rider-Waite. Donc le tarot de Marseille, c'est un tarot tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Je pense que vous avez tous vu un jour un tarot de Marseille. On va retrouver les 22 arcanes majeures qui sont des archétypes et les 56 arcanes mineures qui, elles, vont être représentées un peu comme une des cartes à jouer, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, valet, dame, roi, etc., comme la belote, etc., etc. Et puis, pour le tarot type Rider-Waite, on va retrouver aussi les 22 arcanes majeures et les 56 arcanes mineures, mais qui, elles, vont être mises en scène pour essayer de nous aider, pour faire quelque chose qui soit un petit peu plus intuitif et un petit peu plus simple à interpréter. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est vrai que le tarot, c'est pas forcément évident à connaître, puisqu'un tarot se composera toujours de 78 cartes et va reposer sur les mêmes fondamentaux. Peu importe la thématique abordée, peu importe l'illustration du jeu, ça sera toujours 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures et à chaque fois on va retrouver un peu les mêmes interprétations. Il y a un côté un peu par cœur à apprendre, je dis avec des guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait par cœur, mais c'est vrai que le tarot repose sur quelque chose qui peut un peu démotiver pour ceux qui se lancerait dedans. Ensuite, vous allez avoir la deuxième famille qui sont les oracles. Donc, les oracles, là aussi, vous connaissez tous un oracle, hein, il en existe une multitude. Un oracle, lui, n'a pas de règles, il n'a pas de composition, on va dire, imposée. C'est-à-dire qu'il peut se composer d'une carte comme il peut se composer de 1 million de cartes dans le paquet. On va avoir bien sûr plusieurs thématiques, vous allez avoir des oracles qui vont plus traiter de guidance ou de travail psychologique ou d'introspection ou pour faire de la divination, certains sont polyvalents, bref, là aussi les oracles, il y en a une multitude. Et enfin, vous avez la troisième catégorie qui va être à mi-chemin entre le tarot et l'oracle, c'est-à-dire que le petit Lenormand. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ferai une vidéo consacrée totalement au petit Lenormand pour vous expliquer déjà son histoire, son utilisation, etc., etc. Donc le petit Lenormand, lui, va être composé toujours de minimum 36 cartes. Vous n'en avez pas moins. Vous pouvez trouver des jeux où il y en aura plus, comme par exemple, là tout de suite, je pense au Gilded Rêverie Lenormand, la version étendue, on avait des cartes en plus, il y a la carte des masques, du labyrinthe, le pont, des choses comme ça. Mais ça, ce sont des figures qui ne sont pas présentes d'origine dans
le classique, le normand. Dans un le normand classique, vous avez toujours 36 cartes, à savoir une significatrice, enfin deux significatrices, homme, femme. Puis ensuite, vous avez la cigogne, l'enfant, la lettre, le jardin, la maison, le cercueil. Bref, hein, je pense que là aussi, vous connaissez à peu près le normand. Le Lenormand, là où on va reconnaître le tarot, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine, comment pourrais-je dire, une certaine éducation à avoir sur le Lenormand, puisqu'il va falloir connaître, si possible, les cartes, leur symbolisme et leur signification, l'interprétation qu'on peut en faire, sachant que le Lenormand, en plus, est rattaché aux cartes de cartomancie, puisqu'on va retrouver les indicateurs de cartomancie. C'est-à-dire, par exemple, pour le cavalier, je montrerai sur les cartes, mais on va retrouver la famille des cœurs, des carreaux, des trèfles, des piques. Donc, pour ceux qui aiment travailler aussi l'aspect de cartomancie, on va pouvoir coupler le Lenormand avec la cartomancie classique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut connaître, hein. Ça, malheureusement, vous pouvez pas les inventer, il faut les connaître. Vous allez avoir aussi les combinaisons qui peuvent se faire entre deux cartes, hein. Ça aussi, ça s'apprend, ça s'apprend. Je vous rassure, ça s'apprend et j'ai les outils à vous proposer pour apprendre tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même aussi l'aspect très intuitif, c'est-à-dire que je connais des personnes comme par exemple Solveig, hein, Solveig Guir, de la chaîne du même nom, notre soso internationale, qui elle est une fée, alors vraiment c'est même plus une férue du Normand, elle vit le Normand, elle mange le Normand, hein. Soso, elle est connue pour adorer le Normand, et elle est vraiment très calée sur le sujet, elle pourrait vous en parler pendant des heures, d'ailleurs je vous invite à aller voir des vidéos qu'elle avait réalisées au début de sa chaîne, où elle nous donne les explications du Normand, et c'est toujours plaisant d'entendre quelqu'un qui maîtrise son sujet de nous en parler. Et donc le Normand, comme je vous le disais, il va y avoir aussi cet aspect plus intuitif, et c'est pour ça que je vous ai cité Solveig. C'est que Soso, elle va faire les deux, c'est-à-dire qu'elle va à la fois travailler l'aspect très concret, très terre à terre du le Normand avec toutes les connaissances qu'elle a, mais en même temps en couplant l'aspect intuitif. Il y en a d'autres qui vont travailler que l'aspect vraiment, on pourrait dire, éducatif du Lenormand, d'autres qui vont travailler que l'aspect divinatoire. J'ai envie de dire, il faut ne prenez exemple sur personne pour travailler un Lenormand. C'est-à-dire que si vous avez un jeu du Lenormand, il faut que vous le travaillez comme vous, ça vous parle, comme vous, et voilà, comme vous, vous avez envie de l'interpréter. Je crois que c'est la meilleure méthode. Il n'y a pas une méthode définie. Pour moi, voilà, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est interpréter comment les cartes vont vous parler. Si vous vous sentez plus à l'aise sur le côté un petit peu scolaire, apprendre les significations, etc., etc., alors partez sur ce mouvement-là. Si par contre vous êtes plus à l'aise sur le côté intuitif de l'oracle, partez sur ce mouvement-là. Et si au contraire vous voulez coupler les deux, c'est aussi possible, ok? Donc, sans plus tarder, maintenant que vous connaissez les bases du Lenormand, je vais vous présenter le petit dernier de Arcana Sacra qui n'est pas encore sorti, qui devrait arriver d'ici quelques jours. Il s'agit du petit Lenormand de Marseille. Et là, je vous entends déjà dire pourquoi le Lenormand de Marseille, il a été fait à Marseille. Je comprends pas le rapport, le Normand, Marseille, Marseille, ça fait penser au tarot. Eh bien oui, justement les amis, ceux qui auraient deviné, effectivement, le petit Lenormand de Marseille va être un petit Lenormand façon tarot de Marseille, tout simplement. Il a été réalisé par Gabriel Gabadi, qui est assez connu. Alors personnellement, excuse-moi Gabriel, si tu passes sur ma vidéo, je n'ai pas eu encore la chance de voir ce que tu faisais, mais je vais te découvrir à travers ton jeu, et déjà je peux dire que rien que l'idée en fait me plaît énormément. Pourquoi? Parce que le petit Lenormand et le tarot de Marseille, ce sont deux jeux qui sont un peu mes références d'ancienneté. Je m'explique. J'aime beaucoup les jeux anciens. Alors quand je dis les jeux, c'est pas spécialement les jeux, mais c'est l'énergie qu'ont ces jeux un peu anciens. Comme par exemple un tarot de Marseille. Prenez un tarot de Marseille classique, mais vraiment le plus classique qu'il y a. J'adore cette énergie, j'adore ces dessins un peu médiévaux, ces couleurs un peu brutes, voire primaires. On a tout ce caractère un peu ancien avec toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Un Lenormand pareil classique, un peu old school, un peu ancien. On va retrouver aussi cette énergie un peu mystico-ésotérique de l'époque. Voilà. Alors pareil pour les Lenormands, il en existe une multitude, hein. Ils ont été modernisés, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, il y en a de très très beaux, hein. Par exemple, je pense à celui de Celia Melville que vous connaissez tous et toutes là aussi.
qui a fait un petit le normand qui reprend la dynamique de son oracle des reflets avec la broue de noix. Donc vraiment il en existe une multitude, hein. Arcana Sacra aussi nous en propose avec le normand de Gulliver, hein, pour ceux qui connaîtraient un petit peu l'univers de cet auteur. Voilà, le petit le normand et le tarot de Marseille, c'est vraiment deux jeux que j'aime. Pareil pour le Béline aussi. Le Béline, même si je trouve le Béline assez austère et je suis pas forcément réceptif à l'ancien Béline, je préfère les versions plus actuelles pour le coup. Mais j'aime bien cet univers qui s'en dégage. Et là, pour le coup, eh ben, je suis plus que ravi parce que dans ce petit le normand, on va retrouver ces deux énergies. À savoir le côté très classique et traditionnel du le normand avec le côté classique et traditionnel des illustrations du tarot de Marseille. Donc pour ceux qui adorent travailler le tarot de Marseille et qui voudraient un petit le normand qui ressemble au tarot de Marseille, eh ben, cherchez plus, il est là, je l'ai entre les mains. Donc c'est le petit dernier de Arcana Sacra qui nous est présenté dans un joli petit coffret. Alors pour le coup, Arcana, vous avez fait super original parce que vous savez qu'Arcana, ils nous font très souvent des très jolis coffrets. Vous savez, des coffrets avec comme ça le côté qui est aimanté, qu'on ouvre avec le livre, on a la petite boîte dedans. Et d'habitude, on est souvent sur des gros coffrets puisque ce sont des oracles qui sont présentés. Là, non, on a un petit coffret, un coffret qui est tout mini, qui est trop tout mignon en plus, j'aime beaucoup. Et on va retrouver ces illustrations qui sont très classiques, très old school et vraiment c'est un coup de cœur, j'aime énormément, vraiment vraiment. Je voulais d'ailleurs vous faire le unboxing mais en fait j'étais tellement pressée, j'étais comme un gamin qui ouvre son cadeau de Noël, du coup j'ai pas pu attendre, j'ai pas fait d'unboxing, je voulais découvrir d'abord le jeu et ensuite vous le présenter. Donc comme je viens de vous le dire, on va être sur un très joli coffret, une boîte qui est aimantée comme ceci sur le couvercle. Regardez un petit peu, je vais vous montrer tout le coffret que je trouve vraiment très très joli. Comme d'habitude, hein, on est sur la qualité Arcana Sacra. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vanter la qualité d'Arcana Sacra. On sait qu'ils ont une qualité de manufacture qui est incroyable. On est sur une boîte épaisse, très rigide. Regardez l'intérieur, c'est vraiment splendide. On a l'illustration ici du vaisseau. On va retrouver le petit guidebook, alors oui il est peut-être petit en forme mais regardez quand même l'épaisseur et pour l'avoir zioté il est plus que bien fait, c'est à dire que si vous n'avez pas de livre sur le petit le normand, honnêtement ce livre il est parfait pour débuter, il peut être même pas mal pour ceux qui sont plus expérimentés même si de façon très objective, hein, si je recite par exemple Soso, ça fait des années qu'elle maîtrise le normand, je suis pas sûr qu'elle les nouvelles informations, mais quoique, parfois ça peut être bien aussi de revoir certaines bases. Comme d'habitude, je vous montre un petit peu, regardez l'intérieur du livret, on va être sur du papier de très bonne qualité, qui est glacé, qui est coloré en plus. On va avoir les illustrations de chaque carte en pleine page. Et j'aime beaucoup aussi la façon comme les cartes sont présentées, c'est-à-dire que, regardez, ici on va avoir l'illustration de la carte, on va avoir ici le nom de la carte, on va avoir la description de la carte, on va avoir les mots-clés rattachés à la carte et derrière on va retrouver aussi la personnalité de la carte, la polarité de la carte, savoir si c'est une carte négative, positive ou neutre et on va avoir des conseils sur la carte. Donc là on a un très joli guidebook, à la fin on va aussi retrouver des méthodes de tirage, hein, des tirages assez classiques comme par exemple là en 9 cartes, on va avoir aussi l'explication du grand tableau. Alors ça, le grand tableau, c'est quelque chose qui est très intéressant à connaître et à maîtriser puisque le normand, il est connu pour avoir cette méthode de tirage qui s'appelle donc la technique du grand tableau où on va étaler tout le paquet de cartes, l'intégralité du jeu, on va étaler les 36 cartes devant nous et on va donc faire des associations, on va lire en vertical, en horizontal, en diagonale, on va d'abord se référer aux différents significateurs pour voir où est l'homme, où est la femme, pour voir le consultant, la consultante, où est-ce qu'il se positionne par rapport au passé, au présent, au futur, voir ce qui les entoure, etc., etc. On va travailler ensuite dégrossir le tableau en travaillant d'abord le domaine amour, amoureux, financier, machin et tout, et puis après on va aller dans le détail, etc. Vraiment la technique du grand tableau, c'est quelque chose qui est super si vous voulez faire une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de synthèse, une sorte de photo
Voilà, c'est-à-dire à l'instant T, si vous voulez avoir un peu une photo de votre vie à l'heure actuelle, en l'état, eh bien le grand tableau est parfait et vous allez pouvoir dégrossir ensuite en fonction. Mais c'est vrai que le grand tableau, c'est une technique qui est assez délicate à maîtriser, c'est-à-dire que si vous débutez avec le petit Lenormand, je ne vous recommande pas pour l'instant de faire la technique du grand tableau parce que ça va vous perdre et surtout ça va être un petit peu compliqué. Il vaut mieux que vous commenciez un tirage par exemple à 9 cartes hein, en carré, avec les trois colonnes, comme ça vous pourrez lire vertical, horizontal et en diagonale, vous pourrez faire passé, présent, futur, et déjà ça va vous donner quelques pistes pour vous apprendre à maîtriser un tableau, puis à la rigueur vous pouvez faire un tableau à chaque fois de plus en plus grand, hein. Vous rajoutez une colonne et une ligne, jusqu'à faire un jour le grand tableau. Voilà, donc ici on a un petit guidebook qui est vraiment fort sympathique, c'est-à-dire que à lui tout seul, le coffret, hein, vous avez comme d'habitude le livre, ça aussi je vous le précise souvent, mais il faut savoir que les guidebooks qui sont fournis dans les coffrets de Arcana Sacra, ce sont des vrais livres, c'est-à-dire que c'est un livre que vous pourriez acheter à côté, hein, dans l'extrême Arcana Sacra pourrait ne pas vous mettre le guidebook, pourrait vous mettre genre un petit dépliant pour vous expliquer rapidement le jeu et vous proposer un livre à côté, mais non, on nous propose à la fois le jeu et le livre. C'est un livre, hein, c'est pas juste un petit guidebook, c'est un livre. Donc ça, c'est bien de le préciser quand même, hein. Il y a un vrai travail derrière tout ça. Et donc dans le coffret, on va avoir comme d'habitude nos traditionnels petits rubans hein, pour enlever les livres et le paquet de jeux, ça on adore. Je le dis à chaque review, mais à chaque fois moi ce petit ruban, j'adore ce petit ruban. C'est un petit détail, mais c'est le petit détail qui fait tout. Et donc on va retrouver dans une petite boîte cloche notre petit Lenormand. Regardez un petit peu le coffret, il est super joli, on va avoir l'illustration ici de la maison. Et j'ai failli les foutre par terre. Et on va retrouver donc notre petit Lenormand. Regardez un petit peu, comme d'habitude, Arcana Sacra nous fait le plaisir d'avoir des illustrations à l'intérieur du coffret qui est juste superbe. En plus, ce soleil. Alors, je vais vous dévoiler un truc, les amis. Sachez que cette forme de soleil, c'est la forme que j'aime le plus. Je trouve super ésotérique ce soleil avec le visage et la lune, hein, pareil, hein, cette lune, ce croissant de lune qui a souvent un visage aussi. Ces deux figures, je trouve, je sais pas, elles dégagent hein, quelque chose d'hyper mystique, d'hyper ésotérique. Et à chaque fois que je dois représenter un soleil, que ce soit sur mon grimoire ou n'importe quoi, très souvent je lui fais cette forme-là avec un visage où il y a souvent comme ça les rayons en pic avec les rayons ondulés parce que je trouve cette figure assez charismatique du soleil. Bon, pour la qualité des cartes, je viens de vous le dire, on est sur Arcana Sacra, donc on est sur du cartonnage qui est très épais, tout en ayant quand même une certaine souplesse. On a ce toucher satiné qui permet de bien faire glisser les cartes. On a des bords qui sont bruts de couleur blanche et honnêtement, tant mieux, parce que là, franchement, des tranches dorées ou en couleur, ça aurait été beaucoup trop bling-bling, franchement. Puisque regardez le devant des cartes, on va avoir comme si c'était un tarot de Marseille en fait, hein, comme si c'était un tarot de Marseille, on va avoir donc ce fond blanc et du coup la tranche blanche se marie divinement bien avec le jeu, hein, vous en conviendrez, si on avait une tranche dorée ou argentée, ce serait vraiment pas très joli et ça ferait vraiment très kitsch. Le dos des cartes, je sais pas si vous allez voir avec la caméra parce que j'ai l'impression que ça fait pas vraiment honneur. Ah mais j'avais pas vu le triangle de l'œil qui voit tout au milieu. Je ne l'avais point vu. Vous voyez, je découvre des détails. On est sur... j'arrive pas à définir cette couleur. On serait sur une espèce de bleu-gris. Alors, à la caméra, j'ai l'impression que ça sort quand même plus bleu. Mais on serait plus sur une espèce de bleu, un bleu-gris, un bleu, ouais, une espèce de bleu-ciment. Je sais pas comment on pourrait définir ça. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui aiment travailler l'endroit et l'envers, vous allez pouvoir, puisque vous voyez, peu importe la carte dans quel sens elle est, vous allez pouvoir travailler l'endroit et l'envers. Voilà, donc pour ceux qui aiment ça, c'est bien de le savoir. Donc on va avoir 36 cartes classiques, que je vous dise pas de bêtises, hein, il n'y en a pas d'autres qui sont rajoutées, avec donc toutes les figures du Lenormand classique. Mais je crois que des images valent 1000 mots, donc je vous laisse découvrir en image et on se retrouve après.
Allez, comme d'habitude, je vous propose un petit tirage avec notre petit Lenormand de Marseille. Et afin d'éviter toute tricherie de ma part, je vais utiliser le guide des associations du petit Lenormand de Alexandre Musruc, dont je vous parle dans quelques instants. Soyez patients, c'est la deuxième partie de vidéo. Allez, je vous invite donc à poser une question soit à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez. Et si possible, faites-moi une question qui soit ouverte. Alors, je vous vois déjà arriver. Mais Jojo, c'est quoi la différence entre une question ouverte et une question fermée? Mais et pourquoi j'ai pris l'accent de Gollum, je sais pas. Salopit, chouflu. Donc une question ouverte, c'est tout simplement une question comme par exemple comment vais-je évoluer dans mon travail, comment ma carrière va évoluer, comment mon couple va évoluer, etc., etc. Qu'une question fermée, eh bien c'est une question où on va répondre par oui ou par non, c'est-à-dire est-ce que je vais trouver un travail, bah c'est ou oui ou c'est non quoi. Hein. Donc faites-moi une question qui soit plutôt ouverte. Et on va se faire un petit tirage en trois cartes, comme ça je vais un petit peu pouvoir vous expliquer comment fonctionnent les associations et ça va nous permettre de servir de transition pour la deuxième partie de vidéo avec les livres que je vous présente. Allez, c'est parti. Donc ici je vais placer le présent, là le passé et là le futur. Alors comment fonctionne un tirage en trois cartes avec un Lenormand pour faire passer présent et futur? Le présent va être important puisque c'est le ici et maintenant, c'est-à-dire que vous êtes là à l'heure actuelle, vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas encore ici, vous êtes là. Donc cette carte va être votre carte de référence pour faire votre association. Attention, c'est ma méthode, d'accord, hein, il en existe une multitude, vous en avez certains qui vont vous dire qu'il va falloir tout associer dans un sens comme dans l'autre, etc. Pour moi, je résonne un peu comme un druide peut le faire, c'est-à-dire vivre le ici et maintenant. Donc pour moi, je suis là pour l'instant, je suis plus là, je suis pas encore là, donc je vais me référer à cette carte-là et c'est de cette carte-là que je vais faire mon association pour les deux autres. Donc ma carte, c'est la carte de l'encre. Donc l'ancrage ici, l'ancrage, pourquoi j'ai dit ancrage? Ouh, lapsus révélateur. Peut-être que certains ont besoin d'entre vous d'être ancrés ou de se réancrer. Donc peut-être qu'il va falloir faire un travail de réancrage pour vous reconnecter à la réalité ou peut-être revenir à des choses un petit peu plus pragmatiques, plus concrètes, plus réalistes. Ne faites peut-être pas de projets sur la comète. Hein, ne vous projetez peut-être pas trop loin dans des choses où vous n'avez pas trop de recul. Ne vous lancez pas non plus à corps perdu dans plein de tâches parce que vous allez vous éparpiller, vous disperser. Donc il vaut mieux travailler sur ce côté un petit peu ancrage. C'est peut-être un lapsus révélateur. Donc pour notre première association, on va regarder par rapport au passé. Donc on va d'abord interpréter l'encre avec la lettre. Alors on va regarder. Donc nous avons la carte numéro 35, pardon. Donc la 35. Là, c'est l'avant-dernière en plus. La 35, l'encre. L'encre qui va être associée du coup avec la lettre. Donc la carte numéro 27. Donc la lettre qui est ici, on nous parle d'une nouvelle de validation, des messages sûrs, du courrier de l'étranger ou documents de voyage. Donc il est possible ici peut-être que vous attendiez une validation écrite. Peut-être que ça pourrait nous parler d'un papier important que vous attendez. Ça peut être soit un divorce ou un mariage. Au contraire, ça peut être un contrat de bail, un contrat professionnel ou un papier pour valider quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une démarche de reprendre une formation ou de vous lancer dans une formation ou peut-être qu'il vous faut l'accord, je sais pas moi, de Pôle emploi ou de n'importe quoi. Mais voilà, ici on nous parlerait d'un papier ou d'une réponse qui arriverait et qui pourrait vous permettre de pouvoir enfin avoir quelque chose de sûr, de savoir enfin où est-ce que vous allez. Hein. Pensez, ben, j'ai envie de vous dire pensez de façon logique, c'est-à-dire que l'ancre, elle est amarrée à un navire et quand un navire commence à partir à la dérive, on va jeter l'ancre pour le maintenir justement à sa position pour éviter justement qu'il parte à la dérive. Donc là, on nous parle d'un document ici qui va vous permettre de ne plus partir à la dérive, qui va vous tranquilliser, vous rassurer. Donc ça pourrait être ici un document important, un document administratif ou important que vous attendez, qui vous apportera une réponse, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, mais c'est une réponse qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez à partir de maintenant.
Et on va regarder l'ancre avec, pour la carte du futur, le navire. Ah bah c'est drôle, moi qui viens de vous dire en plus l'ancre est amarrée à un bateau, on a fait exprès le bateau. Bah peut-être, vous voyez là, pour le coup, je vais quand même regarder la signification. Mais là, de façon très intuitive, pour moi ici ça me parlerait d'un papier, d'une réponse qui va arriver et qui va vous permettre de lever l'ancre pour partir vers un nouvel objectif. Peut-être que c'est un papier important comme par exemple la réponse d'une demande de crédit pour acheter votre maison ou financer votre entreprise, ou alors un contrat professionnalisation, un contrat de mariage, un contrat de divorce, peu importe, mais quelque chose qui vous permettrait de pouvoir partir de votre port d'origine pour entamer une nouvelle aventure. Mais on va quand même regarder du coup ancre plus navire. Alors, l'ancre plus navire, et c'est la carte numéro 3. Alors, l'ancre plus le vaisseau, arrivé à bon port, un changement stable, un changement qui dure. Bah voyez les amis, j'avais même pas besoin de vous l'interpréter puisque je l'ai fait complètement en intuitif là, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, à savoir j'ai vraiment la sensation que il y a quelque chose, vous allez obtenir une réponse qui va vous permettre de pouvoir vraiment vous débarrasser d'un poids. Vous allez pouvoir quitter enfin le port en vous disant c'est bon, j'ai fini ce que j'avais à faire ici, je vais pouvoir partir vers d'autres horizons, découvrir autre chose, commencer une nouvelle aventure, quelque chose qui m'apportera autre chose, mais on est vraiment sur la fin. Pour moi, la fin de quelque chose via cette réponse et un nouveau départ vers de nouveaux horizons. Alors, soyez honnête, qu'avez-vous pensé de ce petit Lenormand façon tarot de Marseille? Franchement, il est pas trop choupinet. Moi, ce que j'adore, et ça, c'est vraiment mon... Alors, c'est mon avis personnel, hein, ça ne tient qu'à moi de dire ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que justement, on va avoir les illustrations qui sont clair et limpide. Et ça, croyez-moi les amis, c'est super important. Alors ça dépend avec quel type de jeu vous jouez. C'est-à-dire que si vous prenez un oracle qui lui va vraiment être sur soit la thématique de divination ou de guidance ou de travail psycho, avoir un oracle qui soit très travaillé avec plein de détails, etc., ça peut être bien pour vous pousser à chercher un détail dans la carte pour, comment on pourrait dire, pour piquer votre intuition. Mais par contre, pour certains jeux, il y a des jeux qui ont besoin de rester assez classiques. Et on a besoin d'avoir la figure qui frappe l'œil tout de suite. Et entre autres, le petit Lenormand, il va avoir ce problème-là. C'est-à-dire que c'est bien, c'est joli des Lenormands qui sont très travaillés, avec plein de détails, etc. Mais ce qu'on veut, c'est la figure de la carte. C'est on veut la reconnaître tout de suite. Et on ne veut pas d'ambiguïté avec la carte. Parce que je connais certains Lenormands, honnêtement... certaines cartes peuvent prêter à confusion. Alors je sais plus lequel c'est, mais je sais qu'il y en a un par exemple, le trèfle, la carte du trèfle. Le trèfle, il est tout petit sur la carte et à la place on a une espèce de grosse fleur. Bah on est plus tenté d'être orienté vers la fleur, vers le bouquet, quelque chose comme ça, que vraiment vers le trèfle qui va être tout petit sur la carte. Surtout quand on fait des grands tableaux, quand on fait un grand tableau, croyez-moi les amis, avoir la figure de la carte qui vous frappe tout de suite l'œil, c'est super important. Et du coup, dans ce type de version-là de Lenormand, à savoir des cartes qui vont être très contrastées sur un fond blanc, ou alors une figure qui serait plus claire sur un fond noir, eh ben ça permet de faire ressortir tout de suite le sujet de la carte et on sait de quoi on parle, ça ne laisse pas de place au doute. Donc oui, je suis pour certains Lenormands qui sont très jolis, graphiquement et artistiquement parlant, mais qui d'un point de vue pratique pour travailler avec, bah ça sera pas forcément les meilleurs à utiliser. En revanche, ce type de jeu là est vraiment parfait pour travailler un Lenormand, surtout quand on fait des grands tableaux. Son format en plus, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, il existe plusieurs types de formats de Lenormand, même si on retrouve souvent le Lenormand qui est en petit format comme ça. Pourquoi? Bah comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au grand tableau. Hein, quand il faut placer les 36 cartes devant vous, bah c'est quand même plus pratique d'avoir des petites cartes qui puissent tenir sur la table, qu'avoir des cartes qui font 20 cm par 15 qui vont vous prendre toute une pièce. Hein. Très clairement, c'est quand même moins pratique. Je pense là tout de suite par exemple au Golden Lenormand, je l'ai, je le trouve très beau. Mais par contre, pour faire un grand tableau, bah c'est vite problématique parce qu'il prend de la place. Déjà, quand vous faites un tableau à 9 cartes, ça prend déjà beaucoup de place, mais mettre les 36 cartes, concrètement, c'est pas possible. J'ai déjà essayé, c'est pas possible. Ou alors, il faut se mettre par terre. Enfin bref, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà pour cette présentation du petit Lenormand de Marseille. Honnêtement, je ne peux que vous inviter à craquer dessus parce que c'est un joli petit coffret qui a un concept qui, je trouve, est très original pour une fois. Enfin, pour une fois.
Attention, quand je dis pour une fois, c'est pas Arcana Sacra qui manque d'originalité. Non, c'est que le Normand, je le vois de plus en plus, on se dirige vers un style graphique qui me plaît de moins en moins dans les Normands, dans le sens où, c'est ce que je viens de vous dire, ils sont jolis, ces jeux, mais je trouve que d'un point de vue pratique, ils le sont pas tant que ça en fait. Et là, le fait de sortir un petit Le Normand qui réunit le côté très classique old school du Le Normand avec ce côté très classique et old school du tarot pour en faire un seul jeu, je trouve ça génial. Mais j'ai envie de dire, Arcana Sacra, il nous habitue justement à sortir des trucs qui ne sont pas vus, justement, qui sont originaux. Donc c'est aussi pour ça qu'on les aime. Ils sont un peu avant-gardistes. Allez, maintenant, je vais vous proposer les outils pour travailler le Lenormand. Même si concrètement, je vous l'ai dit, ce coffret vous suffirait amplement. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le coffret est à 29€. 29€, honnêtement, 30 balles, c'est pas cher pour ce que c'est. On est quand même sur de la bonne qualité. Hein, vous connaissez tous Arcana Sacra. On est sur de la bonne qualité comme d'habitude. Donc honnêtement, 30€, ouais, il les vaut. Il les vaut. Honnêtement, si on ne me l'avait pas envoyé, je pense que j'aurais craqué dessus. Honnêtement, pourtant, je suis pas un super fervent du Lenormand, bien que j'en ai quand même pas mal, je dois en avoir une bonne quinzaine des Lenormand. En plus, celui-ci, j'ai envie de le coupler avec le tarot archétypal, vous savez, le dernier là qui est sorti de Dystopia, que j'adore. Honnêtement, c'est toujours mon chouchou, je sais pas, il a une énergie qui est très particulière, je trouve, et j'ai vraiment très très envie de marier l'archétypal avec le Normand de Marseille. Je pense que les deux, je sens une énergie qui peut se marier entre les deux. Donc, si vous voulez quand même peaufiner un petit peu votre art du le Normand et tout maîtriser sur le sujet, je vous invite à découvrir deux livres qui sont vraiment superbes, d'un auteur qui est une référence dans l'univers du Le Normand. Il s'agit de Alexandre Musruc, qui a également une chaîne YouTube, qui a créé plusieurs Le Normand pareil. Alors je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous chercherai aussi sa boutique et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Naturellement, je vous mettrai aussi le lien de Arcana Sacra pour précommander votre jeu, et puis voilà. Donc Alexandre nous a sorti deux livres qui sont, je trouve, et pourtant il en existe des livres sur le Normand, il y en a, mais c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître ce qui est quand vous avez un livre qui est écrit par quelqu'un qui maîtrise son sujet sur le bout des doigts, qui a quand même plusieurs années d'expérience et d'expertise sur le sujet, ça se ressent. Ça se ressent tout de suite dans son style d'écriture, dans comment il va aborder le sujet, comment il va nous présenter les choses, ça se ressent tout de suite, hein. Et Alexandre, on voit qu'il sait de quoi il parle, ça se sent, ça se voit dans son style d'écriture aussi. Il a une façon qui, je trouve, est très ludique et pas du tout prise de tête, parce que c'est vrai que je vous vois arriver avec les commentaires en me disant « Ouais, mais Jojo, moi le Normand, ça me fait penser au tarot, il faut tout apprendre par cœur, les combinaisons, les machins, c'est chiant, c'est rébarbatif. » Oui, je suis d'accord avec vous sur l'aspect un petit peu qu'il faut tout connaître par cœur, ça peut être un peu démotivant. Bon, après, quand même, pour défendre le Normand, on n'est pas sur un tarot avec 78 cartes, on en a quand même que la moitié. Donc déjà, il y en a un peu moins à apprendre par cœur. Mais là, vous allez me répondre, oui mais Jojo, il y en a peut-être la moitié, mais il y a plus de signification et de combinaison entre les cartes qu'un simple tarot. Oui, c'est vrai, je suis d'accord aussi. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est le Ouroboros. Donc, pour peaufiner votre maîtrise du Lenormand, je propose ces deux livres. Le premier, c'est « Comment utiliser le petit Lenormand, le guide pratique d'Alexandre Musruc », donc de chez Arcana Sacra, qui est au prix de 18€, qui est de très belle qualité, puisque pareil, on va retrouver du papier qui est glacé, en couleur, très bonne qualité d'impression, comme d'habitude. Et Alexandre va nous emmener vraiment à la découverte du petit Lenormand, mais de façon ultra, ultra, ultra détaillé, mais sans non plus tomber dans un côté trop pompeux, trop scolaire à apprendre les choses par cœur. C'est-à-dire, je vous prends un exemple très concret. Tiens, on va prendre la carte de la clé. Carte de la clé, on va avoir en plus une petite expression de William Shakespeare, donc qui est toujours intéressant à avoir. Là, par exemple, je vais vous donner pour celle de la clé. Il arrive toujours que nous n'estimons pas un bien à sa juste valeur tant que nous en jouissons, mais dès qu'il nous manque, nous lui découvrons le mérite qu'il ne voulait pas nous montrer quand il était à nous. En gros, on ne sait pas ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd. Voilà, de façon plus simple. Et on va avoir donc
la polarité de la carte, savoir si elle est positive ou si elle est négative, son côté un petit peu général, le secret que cache la carte, l'objet, le lieu, le temps, la profession ou l'activité, le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier, le développement personnel et le mantra qui lui est associé. Donc vous voyez, c'est quand même très exhaustif sur le fait que la carte de la clé, elle peut avoir plusieurs significations. Et en fonction de votre question, si par exemple vous avez formulé une demande sur votre vie professionnelle, eh bien vous allez vous référer à l'aspect du professionnel, à savoir donc dans le domaine professionnel, la clé va nous parler de votre perspicacité, votre polyvalence sont appréciées au travail, vous êtes fin stratège, vous arrivez toujours à trouver les bonnes solutions, etc., etc. Et ça c'est bien parce que du coup vous allez pouvoir viser tout de suite ce qui vous intéresse, c'est-à-dire que la carte de la clé, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout lire sur la carte de la clé pour trouver ce qui nous intéresse. Là, si on parle de la clé dans le domaine amoureux, bah hop, je vais regarder domaine affectif, tiens, si ça me concerne sur le domaine financier, hop, je regarde domaine financier, c'est quand même vachement pratique. Et tout le livre, il est composé de cette façon-là. On va avoir un portrait qui est très détaillé à chaque fois sur chaque carte, et je trouve ça vraiment, il est super bien fait, il est vraiment super bien fait, et je vous dis pas ça pour vous le faire acheter, je le pense vraiment. Et comme je vous l'ai expliqué, le petit Lenormand, c'est vrai qu'il y a des associations de cartes. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une carte toute seule, elle va avoir certaines significations. Par contre, si elle est couplée avec une autre carte, eh ben, on va pas lire les deux cartes séparément, mais on va lire les deux cartes comme si c'était une seule entité avec une seule signification. Mais la place des cartes est importante parce que ça va vous changer le sens. Je m'explique. Imaginons que vous preniez la carte de la clé qui est là de ce côté avec la carte du lys qui est là de ce côté. Eh bien, les deux cartes ensemble vont vous donner une signification. Mais si on inverse leur position, c'est-à-dire le lys qui se retrouve ici et la clé de l'autre côté, eh bien, ce ne sera pas la même signification. Il y aura une autre signification. Et du coup, pour connaître toutes ces correspondances, vous avez le deuxième livre de Alexandre Musruc qui est le guide des associations du petit Lenormand. C'est-à-dire que si vous voulez le combo parfait pour maîtriser le Lenormand sur le bout des doigts, vous avez le guide pratique qui vous permettra d'apprendre et découvrir toutes les cartes, et le guide des associations qui vous permettra de pouvoir comprendre les cartes quand elles sont couplées, qu'est-ce qu'elles peuvent dire. Je prends un exemple très concret, c'est-à-dire qu'un livre comme ça, il peut vous être très très utile quand vous faites de gros tirages avec un petit Lenormand. Ou même un tirage à 3 cartes. Ça paraît bête, 3 cartes. Mais 3 cartes, ça veut dire que vous avez celle de gauche qui est couplée avec celle du milieu qui est couplée avec celle de droite, mais celle du milieu qui est couplée avec celle de gauche et qui est couplée avec celle de droite et celle de droite qui est couplée avec celle du milieu, vous voyez ? Donc du coup, au lieu d'avoir une seule interprétation, vous aurez, oui, l'interprétation générale des 3 cartes, mais ensuite il va falloir interpréter carte par carte, et ensuite il faudra interpréter par les couples de cartes qu'il y aura, vous voyez ? Et c'est comme ça que vous allez avoir un tirage qui va être très complet. Et imaginez si je vous parle là du grand tableau, ah bah alors là, parce que du coup le grand tableau, il va falloir regarder par exemple le sujet central, la carte au-dessus, son premier couple, la carte à sa droite, la carte à sa gauche, la carte en dessous, et éventuellement, si vous êtes un peu masochiste, la carte qui est en diagonale là, 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 là et là, voyez ? Sauf que vous avez 36 cartes comme ça à interpréter. Donc vous comprenez pourquoi un grand tableau peut être rapidement quelque chose de prise de tête et de très compliqué, parce que vous allez avoir une multitude de combinaisons. Donc voilà, c'est pourquoi un livre comme ça, ça peut vraiment vous être très utile, et je vais vous montrer. Donc on va retrouver là encore la description. Non, je vous fais pas un topo sur la qualité des cartes, hein. La qualité du papier. On est pareil sur un papier, bah, je pense que ça soit avec la lumière, papier glacé en couleur qui est vraiment superbe. Et là on va donc retrouver toutes les combinaisons. Je prends par exemple la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, donc vous allez avoir les mots-clés. Vous allez avoir encore une fois son énergie, si elle est positive, négative ou neutre, et enfin vous allez avoir les fameuses associations, à savoir si la carte des oiseaux est couplée avec le cavalier. Ça nous annonce la visite de 2 personnes ou d'une bonne nouvelle ou d'un petit voyage. Mais si je prends par exemple le cavalier, comme ça va vous permettre d'illustrer ce que je viens de vous dire. Donc retenez bien,
Oiseau plus cavalier égale annonce la visite de deux personnes, d'une bonne nouvelle ou d'un petit voyage. Maintenant, allons voir le cavalier couplé avec les oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, du coup, on est dans l'autre sens. Donc, le cavalier couplé avec les oiseaux, ça va nous donner une conversation rapide, un entretien ou deux garçons. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil quand même, hein. Alors, on retrouve cette idée de deux personnes, mais par contre, la conversation rapide ou l'entretien, ça, on l'a pas. Donc, vous avez compris la petite la nuance, c'est-à-dire que oiseau plus cavalier égale quelque chose, mais cavalier plus oiseau, ça donne pas la même chose. Voilà. Et donc, ce qui fait que vous pouvez vous amuser comme ça pour apprendre le normand, eh bien, à faire des couples de cartes. Et quand vous faites votre couple de cartes, eh bien, vous allez aller dans votre petit guide et puis vous regardez à quoi ça correspond. Et vous allez voir, c'est pareil, hein, c'est l'expression, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est à force de tirer le normand que vous allez devenir, hein, le normand. Le nor... Comment on pourrait dire ça? Un le normancien. Bref, vous m'avez compris, plus vous allez pratiquer le normand, plus vous allez retrouver des combinaisons et des associations, soit qui vont vous marquer parce que vous l'aurez retenu à un événement particulier, à une humeur, à quelque chose, à un souvenir, et plus vous allez commencer à les repérer, vous allez commencer à les connaître, à les maîtriser, et puis jusqu'au jour où vous pourrez vous passer complètement de ces deux livres parce que bah, vous connaîtrez votre le normand par cœur. Mais avant ça, ça va vous demander quand même quelques années de pratique, hein. Et encore une fois, je le dis, je le redis, il y a des choses comme ça qui ne s'inventent pas, et si vous voulez vraiment bien maîtriser le normand, il faut que vous passiez par la voie un petit peu d'apprentissage et de connaître, hein, pour vraiment bien le maîtriser. Et on peut même après encore aller plus loin en rentrant dans le détail, c'est-à-dire que en plus de ces deux livres, vous pouvez même rajouter un autre livre qui serait un livre sur la cartomancie classique, c'est-à-dire avec le cœur, le carreau, le trèfle et le pique, puisque comme vous l'avez vu dans la description, le normand va avoir les références par rapport à la cartomancie. Donc connaître le normand, c'est déjà énorme et c'est déjà très bien, mais si vous voulez ensuite complètement rentrer dans le détail, vous allez pouvoir aussi étudier la cartomancie pour avoir eh bien le panel le plus complet sur la maîtrise du le normand. Voilà donc mes chers amis pour cette review qui, je l'espère, vous aura plu, enfin cette triple review qui vous aura plu, j'espère. Sur ce, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve vite pour de prochaines présentations. Prenez bien soin de vous.